est ravie de vous retrouver avec toujours des invités, de l'actualité. Et bien sûr, on vous accompagnera avec des invités. Et quels invités? Bon, dans quelques instants, on va parler d'un sujet quand même assez triste, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui d'inviter le commandant Nassim Barnaoui, qui est sous-directeur des statistiques et bien sûr de l'information au niveau donc de la protection civile. Et lui, il viendra nous parler de ce mois de janvier qui est catastrophique. Je peux dire ça, moi j'assume. Et ensuite, lui, il confirmera en matière d'accidents de la route. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé l'année comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser au maximum. Et justement, le commandant Nassim Barnaoui viendra nous en parler avec des chiffres. Voilà, à l'appui, preuve à l'appui. Hicham Daou est déjà installé hein, pour sa chronique El Marsem. On ira aujourd'hui du côté de Skikda. Je ne sais pas pourquoi il a choisi cette ville. Pourtant, quand on dit Skikda, on pense souvent à l'été. Mais bon, Hicham nous expliquera tout cela dans sa chronique. Et puis, en deuxième partie, nous recevrons des invités. Alors elle s'appelle Zola, elle est artiste. Comment la qualifier? Elle est artiste, peintre, elle fait plein de choses, décoratrice, elle crée des choses. Tout ce qu'elle crée est beau. Et j'ai été attirée par ce qu'elle a fait, parce que rappelez-vous, elle était déjà venue, elle m'avait même offert un très très beau tableau sur, bien sûr, la symbolique de la Palestine, Rouh Rouh, que je garde précieusement. Et elle ramasse en ce moment tout ce qui est tickets de métro, de tramway. Et vous allez voir comment elle les transforme. Quand on est artiste, eh ben, on l'est juste au bout. Et on parlera un petit peu de son parcours, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'elle était passée vite fait. Donc, on s'est rattrapé aujourd'hui. Et puis, nous recevrons un acteur très talentueux. Alors, lui, il y va à crescendo, hein, tout doucement, mais il fait beaucoup parler de lui. Si vous êtes branché sur les réseaux sociaux, vous avez pu suivre Mouramarat Fifi. Alors, je ne vous en dis pas plus. Il y en a certainement qui ont dû suivre ça. C'est juste excellent ce duo, lequel vous le découvrirez tout à l'heure, nous propose. Mais en plus de cela, lui, il a participé au dernier film, bien sûr, de Rachid Belhadj, qui est prévu, enfin, dont la sortie est prévue au mois d'avril, Inch'Allah. Bien sûr, c'est un long métrage et ça s'appelle tout simplement Belwizdad. Belwizdad, bien sûr, on rappelle que c'est un héros, bien sûr, pour nous tous, algériens, lui qui a consacré, bien sûr, sa vie pour l'Algérie, et il est un exemple pour cette jeunesse algérienne. C'est un film historique qui a été produit par la télévision algérienne, et il a fait partie du casting. Je vous parle, bien sûr, de l'acteur Lhadi Douar, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler un petit peu de son expérience. Voilà, je pense que tout est dit. Toujours un coucou pour la Palestine. La Palestine est dans le cœur, et on continuera à en parler à chaque fois. On vous proposera tout à l'heure une très très belle chanson qui résume un petit peu la situation en Palestine occupée. Voilà. Tout de suite, on va commencer d'ailleurs avec vous, commandant Nassim Barnaoui. Bonjour. Bonjour Hicham et bonjour, commandant Nassim Barnaoui. Ça va? Ça va, et vous? Je rappelle que vous êtes donc sous-directeur des statistiques et bien sûr de l'information au niveau de la protection civile. Aujourd'hui, vous êtes venu pour nous parler de ce qui ne va pas sur nos routes, parce que l'année 2024 commence très très mal. Bien sûr, très très mal, avec des chiffres inquiétants, notamment ce qui a été enregistré le mois de janvier, au-dessus de la moyenne dont on avait l'habitude d'enregistrer les années précédentes. Donc en matière de chiffres, on dépasse les 162 morts, malheureusement, et 5438 personnes qui ont été blessées, tout à fait. Et parmi les blessures, il y a eu sûrement des personnes qui ont décédé au niveau des hôpitaux. Ouais. Certes, on sait, normalement, la moyenne durant cette période, c'est-à-dire entre 120 et 130 personnes décédées, et généralement, on ne dépassait pas les 4500 blessés. Donc, on a enregistré cette hausse inquiétante, notamment avec le retour des accidents meurtriers qui dépassaient les 5 personnes décédées. Et malheureusement, c'est des accidents qui n'ont pas, c'est-à-dire, impliqué directement des véhicules touristiques ou plutôt des bus ou bien des camions. C'était des véhicules touristiques et utilitaires, notamment avec 5 personnes décédées à Ain Defla, à Tougart, à Temimoun, ce qui a fait augmenter le bilan, malheureusement. Certes qu'il ne faut pas oublier avec une fin d'année, notamment, c'est-à-dire un peu inquiétante en 2023 par rapport à celle précédente. Donc, en matière du chiffre, sa comparaison entre les deux années 2023 et 2022, c'est-à-dire c'est les mêmes chiffres pour la protection civile. On dépassait les 1800 personnes décédées, on dépassait les 70 000 personnes blessées, toutes blessures confondues, notamment des blessures légères ou bien des blessures, des polytraumatisés, donc par la suite qui
a des décès ou même des personnes qui seront handicapées toute leur vie. Donc, et même aussi, le début de le mois de février, c'est-à-dire notamment de la première semaine, il y avait une petite hausse. Tant mieux, ces trois derniers jours, il y a une petite accalmie, notamment les dernières 24 heures. Alhamdoulilah, on a eu une seule personne décédée, mais 221 personnes blessées. Donc, c'est-à-dire même le nombre de personnes blessées ne cesse c'est-à-dire d'augmenter par rapport à la moyenne normalement dont on a l'habitude d'enregistrer en cette période. Mais est-ce que les accidents, eux, ont augmenté? Parce que quand on dit plus de personnes décédées, mais est-ce que les accidents aussi ont augmenté? Ben, le nombre d'accidents a augmenté parce qu'on a constaté même le nombre d'interventions. C'est-à-dire, si en prenant le dernier week-end, on a dépassé les 450 interventions, c'est-à-dire en moyenne plus de 200 accidents. En un seul week-end, 450 interventions. En deux jours. Exactement. Wow. C'est-à-dire on a dépassé les 200 accidents en moyenne, parce qu'un accident de la route nécessite en moyenne un camion d'intervention et une ambulance d'intervention pour l'évacuation ou bien pour déguer les soins nécessaires suite à ces différents accidents. Donc, c'est-à-dire ce qui est inquiétant, en cette période, il fait très beau. Donc, ce n'est pas ça. Les intempéries, ce n'est pas la neige, ce n'est pas les chaussées glissantes. On a eu un mois de janvier printanier. Voilà, un mois de janvier printanier. Mais cette hausse, c'est inexplicable, notamment cette année. Peut-être, c'est-à-dire que la relation, ce qu'on a constaté la fin 2023, donc ça a continué en 2024. Mais le point commun, c'est-à-dire il y a toujours le facteur humain, ce comportement du facteur humain notamment. C'est-à-dire la vitesse. La vitesse, c'est-à-dire le non-respect du cours de la route. Et en premier lieu, c'est la vitesse. L'excès de vitesse est derrière beaucoup de lacunes, notamment c'est impardonnable, surtout les chocs frontaliers, les dérapages suivis des renversements, et aussi s'il y a l'implication des poids lourds ou bien des transports. Mais aussi la somnolence, on en parlait tout à l'heure dans les coulisses, le manque de sommeil, la somnolence. C'est un facteur quand même courant. Oui, aujourd'hui, il fait partie aussi des principales causes des accidents de la route, la somnolence au volant. La somnolence au volant, la fatigue, surtout les accidents, les trajets, les longs trajets plutôt, les accidents survenus surtout la nuit. Oui. Notamment, on parle des grands départs, des lignes, c'est-à-dire qui font des dessertes de plus de 500-600 km, il n'y a pas d'oubliure de conducteurs. Oui. Donc, on ne parle pas uniquement des transports de voyageurs, mais des transports de marchandises, même les citoyens normaux avec leurs véhicules touristiques ou utilitaires qui font des départs, certains qui aiment, c'est-à-dire rouler la nuit parce qu'il y a moins d'encombrement. Oui, mais pour eux, quand ils roulent la nuit, ça veut dire que voilà, il y a moins d'encombrement, donc on se permet pas un temps d'arrêt. Exactement. On se dit on va direct, comme ça on arrive. On gagne du temps. On gagne du temps, alors qu'il faut s'arrêter après 2 heures, ça c'est clair. Bah oui, chaque 2 heures, il faut faire un arrêt. Minimum, après 2 heures, du fait que c'est-à-dire nos routes, c'est-à-dire quand on roule pendant de longues minutes, des heures, donc il n'y a pas ce changement d'aménagement, de décor, etc. Donc on rentre dans la routine. Et certains moments, c'est-à-dire surtout là, on ne connaît pas l'état des routes. Donc, c'est tout, on va fréquenter cette route la première fois. Exactement. Donc, on ne connaît pas les dangers de la route. Donc, à un certain moment, si on est en pleine vitesse, en excès de vitesse, on va faire des fautes. Et à ce moment-là, la faute, elle est impardonnable. Mm-hmm. Soit des décès, soit des blessures graves. Ouais. Et donc, en parlant, c'est-à-dire la tranche d'âge aussi entre 19 ans et 33 toujours ans. Toujours les jeunes. Toujours les jeunes, c'est-à-dire qui causent plus d'accidents, qui sont victimes de plus d'accidents. Et malheureusement, c'est des jeunes. C'est des jeunes, notamment que ce soit sur des motos, sur des véhicules, sur le moyen de transport de voyageurs, bien de transport de marchandises. Les chiffres sont là, et elles démontrent clairement, notamment cette année, l'année précédente, l'année 2022, toutes les années, en première position, c'est cette catégorie d'âge, malheureusement. Et quand on parle de cette catégorie d'âge, c'est-à-dire que l'Algérie, elle est en train de perdre, sa crème, disons sa crème. Parce que le futur. Exactement, c'est le futur. Il y a les étudiants, il y a les commerçants, il y a les fonctionnaires, etc. Il y a tout type de catégories qui forment cette société. Et là, c'est un message aux responsables des familles, aux parents. C'est-à-dire, il faut s'assurer que vos enfants, c'est-à-dire, conduisent bien et qu'ils se montrent, c'est-à-dire, d'un comportement. Alors, je vais vous interrompre parce que là, je m'adresse aux téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a beaucoup de téléspectatrices qui nous regardent, des mamans qui ont certainement des jeunes hommes ou des jeunes filles, mais ce sont beaucoup plus les jeunes au masculin Au masculin, qu'au féminin. D'accord.
Donc, écoutez bien ce que dit le commandant Nassim Barnaoui, parce qu'en plus d'être un responsable hein, au niveau de la protection civile, c'est un homme de terrain. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je le rappelle à chaque fois, parce que des fois, on se dit, oui, il vient, il parle, etc. Mais Nassim Barnaoui est un homme de terrain. C'est-à-dire, vous avez fait tellement de terrain, vous avez vu tellement de choses, que ce soit les incendies, les accidents de la route, le monoxyde de carbone. Donc, vous savez vraiment de quoi vous êtes en train de parler. Et donc, ce message que vous allez transmettre aux téléspectatrices ou aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est très, très important. Ah, très important, bien sûr. Il faut faire un tour aux hôpitaux. Il faut faire un tour juste au lieu d'accident aussi, déjà. Au lieu d'accident, même ce qu'on entend à gauche et à droite. Je vous citais un exemple hier, l'enfant de 26 ans qui a perdu la vie plutôt parce qu'il était sur une moto, il fait un dérapage, même s'il portait son casque, il termine sur les roues d'un camion, il était le fils unique. Ouais. Imaginez-vous, c'est-à-dire vous avez une fille unique, un fils unique, où vous avez du mal à le grandir, à le former, à l'éduquer, éduquer. Etc. Et par la suite, un plein d'œil, fraction de seconde, voilà, tout part. Et ça, c'est choquant. C'est horrible. Personne n'aime être à la place de cette famille, c'est-à-dire c'est un deuil qu'ils ne feront jamais leur deuil. Mm-hmm. C'est pratiquement, ils se sont... On dit, il n'y a pas pire que de perdre un enfant, exactement. Son propre enfant. Et combien d'enfants, combien de jeunes, combien d'adolescents on a perdu sur les routes durant les dernières années. C'est des milliers de personnes qu'on perd chaque année. Donc le message que vous voulez transmettre à ces mères et ces pères de famille. Exactement. Les chiffres enregistrés, c'est-à-dire le nombre de personnes décédées ou victimes des accidents de la route, il ne faut pas qu'ils restent comme chiffres uniquement. On vient chaque année, chaque fois on parle, on a constaté, on a enregistré tant de personnes décédées, tant de personnes décédées. Quand on va avoir la réaction, quand on va accompagner tout ce qui a été mis en matière de sécurité routière par les différentes institutions de l'État. Il y a des solutions qui ont été mises en place. Il faut accompagner, il faut appliquer ces recommandations, ces solutions qui ont été. Parce que l'État travaille, les institutions de l'État travaillent, il y a la sensibilisation, il y a la répression. Surtout que le président de la République, Al-Majid Tebboune, a dit que la sécurité routière était une priorité. C'est le président qui en parle, lui-même, personne. C'est-à-dire, il y a là où le citoyen, ou bien le conducteur, l'automobiliste, ou l'utilisateur de la route, il faut qu'il adhère à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que tout ce qui est fait, c'est pour lui. Et s'il n'y a pas, c'est-à-dire une réaction de l'autre côté, on va travailler. Donc c'est une question de... Exactement. Ça se passe dans la tête. Parce que c'est des objectifs qui sont tracés. C'est des objectifs qui sont tracés en matière de sécurité routière. C'est qui reste un grand travail, c'est un grand chantier. C'est un travail du quotidien. Oui, mais c'est un travail qui prend du temps. Si on regarde les pays les plus, on va dire, les plus développés en matière de sécurité routière, d'ailleurs la Suède revient toujours en première, deuxième position. Exactement. C'est un travail qui a duré pendant des années, 20 ans. Ils ont travaillé sur 20 ans et même plus pour avoir presque zéro accident par an. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi avec l'implication des citoyens. Ouais. Ils ont adhéré à cette politique et donc ils ont accompagné cette politique. Et voilà le résultat. Donc ce qu'on demande aux citoyens, utilisateurs de la route, voilà d'accompagner et de respecter tout ce qui est relation avec la sécurité routière. Oui, ça c'est... Oui. C'est plus profond aussi parce que... Oui, pardon, vas-y, donne-nous ton avis. Moi aussi, je voulais justement poser une question à M. Barnaoui. En bref, ça veut dire, là, vous êtes vraiment un homme du terrain qui donne des statistiques. Vous êtes tout le temps pour sauver des vies. Là, peut-être vous déterminez des fois le problème direct. Et là, on voit que la psychologie du conducteur joue un rôle important. Aujourd'hui, pourquoi on ne remet pas en cause ou on ne responsabilise pas les personnes concernées? Par exemple, bon, je ne vais pas citer pour culpabiliser X ou Y, mais par exemple les ingénieurs de l'auto-école ou par exemple les parents, s'ils voient par exemple l'enfant qui n'est pas apte à conduire, il est stressé ou dérangé ou pas stable mentalement et lui donne un objet qui peut devenir un objet dangereux pour la population et pour lui-même. Exactement, c'est parmi les grandes recommandations qui ont été faites en matière de sécurité routière, c'est-à-dire d'approfondir les examens, notamment les examens psychologiques. Oui. D'accord. Il y a parce même que... des psychologues qui en parlent, hein, qui veulent participer, parce que ça se passe dans la tête. Hein. Exactement. On a beaucoup de conducteurs qui conduisent énervés, stressés. Voilà. Dès qu'ils prennent leur volant, ils pensent à leurs problèmes de la journée ou de la semaine, donc ils ne sont plus concentrés. Ils deviennent agressifs, défensifs. Ils deviennent agressifs, il y a des bagarres. Affiliés à l'accident. Donc, tu imagines un peu. Non, mais en plus, avec le mois de Ramadan qui arrive, Ramadan Shahr al-Rahma, n'est-ce pas? Et c'est un mois que personnellement j'adore, c'est le meilleur mois de l'année. Mais on voit
comment ça se passe sur les routes. Alors là, c'est catastrophique. Bah oui, le mois de Ramadan il approche, donc même en ces jours-là, c'est-à-dire notamment la fin du mois de Shaban, inchallah, donc ça va commencer, ça va bouger beaucoup. Donc oui. Vous connaissez les coutumes de la société algérienne, faire des achats, le nettoyage, ça oui. bouge à gauche, à droite, donc un trafic dense. Et notamment, vous savez, quand on a un trafic dense, on aura toujours plus d'accidents, plus d'accidents, malheureusement. Alors que ce n'est pas une règle, hein. On pourrait avoir un trafic dense sans accident. Même le mois de Ramadan, les heures, c'est-à-dire les minutes qui précèdent la rupture de jeûne, oui. Là où on en parlera, vous reviendrez nous voir, bien sûr, Ramadan, c'est clair. Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord. Donc, quel conseil vous voulez donner aujourd'hui? Le conseil, c'est la prévention. Il faut imaginer que, c'est-à-dire avec vos actes en matière, c'est-à-dire sur les routes, imaginez-vous que, c'est-à-dire avec l'acte, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Il faut précéder, c'est-à-dire 5 secondes, 10 secondes en arrière et réfléchir, c'est-à-dire les conséquences de l'acte. Voilà. Vous pouvez être, c'est-à-dire, victime d'accident de l'acte, vous pouvez mourir, vous pouvez être une cause de meurtre. On n'a pas ça aussi, meurtre, c'est pas facile, vivre avec ça toute sa vie. Exactement, on aura ce. Il n'y a pas mieux que ça, c'est-à-dire rester zen, rester calme, respecter le cours de la route. Apprendre à partager la route. Exactement. La route n'appartient à personne. Se respecter sur la route. Elle appartient à tout le monde. Exactement. Le cours de la route, il est fait, c'est-à-dire pour tout le monde se faire respecter mutuellement. Voilà. Oui, parce que j'avais reçu un expert il y a quelques temps de cela, que vous connaissez d'ailleurs, hein, que je salue, Azwa Boumrah, qui est installé lui à l'étranger, qui disait que même les campagnes de sensibilisation aujourd'hui, il ne faut pas qu'elles soient brutales, qu'on voit du sang, etc. Enfin, c'est son avis en tant qu'expert, hein, qui a fait ses preuves en matière de sécurité routière. Il a dit maintenant, ça a changé. Il faut que même les campagnes, il faut qu'elles soient plus douces, plus apaisantes, parce que justement, il faut juste apprendre aux téléspectateurs qui regardent, par exemple les spots qu'on leur passe, que ce soit un spot doux, calme, parce qu'il faut leur montrer que la route, ça se partage. Qui vous laisse réfléchir. Voilà, qui vous laisse réfléchir. Tout ce qui est brutal et tout, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça marche plus, ça n'atteint plus. Ça fait fuir, oui. À certains moments, c'est vrai que certains pays ont adopté cette méthode, c'est-à-dire de faire peur, au moment des images, des accidents, du sang, etc. Mais actuellement, ils ont changé. C'est-à-dire tout ce qui est douceur, tout ce qui est accrochant, tout ce qui est attirant. Parce que le conducteur est stressé. Parce que il cible actuellement, c'est-à-dire le cible. Ils spécifient leur travail. Ouais. C'est la cible actuellement, les jeunes, les adolescents, les futurs, c'est-à-dire jeunes qui vont passer leur brevet ou bien leur... test permis à conduire, ou bien les parents, c'est des cibles, voilà, ils font le travail, c'est des études, à chaque fois il y a du nouveauté en matière de sécurité routière, à chaque fois, c'est-à-dire ils voient tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas marché, et ils marchent sur des campagnes moyen terme, long terme, avec, c'est-à-dire, analyse des résultats. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et le mois de février, comment ça commence? Ça commence mal? Jusqu'à maintenant, on est à 34 personnes décédées, quand 900 même. Personnes on blessées. On n'est même pas à la moitié du mois de février. Exactement. Mois de janvier, 162 décès, ça veut dire moyenne de 6 décès par jour. C'est la moyenne, oui. Waouh, c'est énorme. Donc même le mois de février, ça ne va pas très bien. Hein. Ça commence un peu mal, parce qu'on n'est même pas à la moitié du mois. Exactement. Donc la vraie analyse, on attend, c'est-à-dire la fin du mois de mars, parce qu'on va... pouvoir, c'est-à-dire faire les chiffres du premier trimestre. Bon, par la suite, on va voir la comparaison avec l'année précédente. D'accord. De toute façon, vous êtes le bienvenu, même juste avant Ramadan. Vous viendrez pour faire de la sensibilisation. Il y a beaucoup de conseils à donner aux femmes. Beaucoup de conseils à donner, comment il faut se comporter, comment il faut conduire, etc. Même pour les accidents domestiques. Ah oui, ça aussi. Ben, on parlera de tout. On vous gardera longtemps. Même peut-être toute l'émission, comme ça, vous donnerez plein de conseils sur comment il faut se comporter, les accidents domestiques aussi. Hein. On a beaucoup de ménage, vous savez. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle, commandant Nassim Bernaoui, sous-directeur, bien sûr, des statistiques et de l'information au niveau de la protection civile. Bon courage, bonne continuation dans votre mission, votre travail. Vous êtes toujours sur le terrain ou pas? Vous sortez quand même sur le terrain? Vous ne pouvez pas vous passer du terrain? Ah oui. C'est comme les journalistes qui font des émissions, mais des fois, ils adorent. Mais on le sent, monsieur Benavé. On sent vraiment la personne engagée. Il est sous-directeur, il est homme de terrain, il est aussi escrimeur, il fait de l'escrime, il fait plein de choses. En plus, il est sympa. Voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci à vous. Merci, avec Saha. Allez, tout de suite, on va te garder, hein, Hicham, tu vas rester avec nous pour le prochain plateau. Bien sûr, on retrouvera ta chronique tout à l'heure. Tu nous emmèneras à Skikda, je ne sais pas pourquoi, tu nous expliqueras. Mais tout de suite, bien sûr, Falastin toujours, hein, dans le cœur, toujours dans l'émission. On vous prépare déjà, vous allez voir ce qu'on vous prépare pour les prochaines émissions concernant la Palestine. On,
pour vous dire qu'on est toujours avec eux. Mais là, on va écouter une très très belle chanson, mais vraiment très très belle, très très beau texte du groupe MAP. Alors peut-être que ce groupe ne vous dit pas grand-chose. En fait, il y a beaucoup d'Algériens qui font partie de ce groupe. Ils sont installés à Marseille. MAP, ça veut dire tout simplement Ministère des Affaires Populaires. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler leur groupe. Et c'est un groupe très très engagé de manière générale et encore plus pour la Palestine.
Voilà, un très très beau texte, très très fort du groupe MAP. Bien sûr, dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal et pour dire qu'on est toujours avec, bien sûr, Falstein. Alors, elle, justement, c'est une artiste engagée. D'ailleurs, elle a peint la Palestine hein, sous différentes formes, avec différents tableaux. On en avait, d'ailleurs, j'ai eu la chance de me faire offrir un très très beau tableau qu'elle m'a offert, un très beau dessin. C'était un dessin ou une peinture? En fait, c'était un mélange entre aquarelle, feutre et crayon de couleur. D'accord. Je l'ai encadré, mais il faut que je le ramène. Il fera partie du décor, mais je le ramènerai chez moi après, parce que j'y tiens vraiment. Voilà, elle est avec nous, vous l'avez entendu. Il s'agit de Zola, l'artiste peintre. Enfin, elle fait tellement de choses, on va découvrir tout ça avec elle. Bonjour Zola. Merci, bonjour, et je vous remercie pour la deuxième invitation. Oui, parce que la première, c'était très rapide, la première. C'était beaucoup plus pour parler de l'œuvre que vous m'aviez offerte d'ailleurs. Mais là, on va parler un petit peu de votre travail, et spécialement ce que vous faites en ce moment. Oui. C'est très, très original. Oui. Fallait vraiment y penser. Et ça va plaire à Hicham, parce que Hicham adore tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est casbah, tout ce qui est monument historique. Et franchement, ce qu'elle fait, Zola, c'est juste magnifique. Merci. D'ailleurs, on voit un petit peu les tickets de métro, de tramway. Donc voilà, je récupère les tickets. Voilà. Des transports en commun en fait, métro, téléphérique, bus. Mm-hmm. Et je transforme comme ça. C'est-à-dire, j'essaie de peindre le patrimoine algérien. Wow. Et là, je commence par le patrimoine algérois parce que bon. Parce que tu es à Alger. Voilà, exactement. Et là. Mm-hmm. Prochainement, je vais faire toute l'Algérie. Waouh, c'est beau. Ça, c'est. Ça? Non, l'autre. Voilà. Hadi? Non, il y avait l'autre, les firalés, comment on appelle ça? Tchoumala, les cosus. Les carreaux. Ah, les deux, c'est le berceau. C'est magnifique, ça aussi c'est zelidj, à la tchoufoufé. 100% algérien, ça il faut le dire. C'est le zelidj qu'on trouve dans les mausolées, c'est-à-dire Sidi Abdelrahman Ta'alibi, dans les palais de la Casbah. Dans les palais de la Casbah. Et il faut savoir que depuis la haute antiquité, les fabrications de la faïence en Algérie existait. D'accord. Par exemple, on parle d'Eporégus. Si on part dans le musée de Annaba, on peut trouver la fabrication de la mosaïque. Mm-hmm. Et dans la qala de Ben Mohammed Lilia, d'accord, il y avait une usine. Et dans le musée, on peut trouver la faïence fabriquée dans la qala de Ben Mohammed, l'époque des Zérides, avant même l'arrivée des Ottomans en Algérie. Voilà, pour compléter bien l'information. Mais Psa Zola, moi j'aimerais savoir comment tu es venue l'idée pour faire ça. Parce que je voyais tes annonces, je te suis sur les réseaux sociaux et tu disais j'ai besoin de tickets, je suis en train de récolter tout ce qui est tickets métro, tramway. Comment t'es venue l'idée? Alors, en toute franchise, j'avais des tickets dans ma poche, donc je les ai récupérés et au moment où j'allais les jeter, nos regards se sont croisés. En fait, je me suis dit allez, pourquoi ne pas les récupérer et faire. C'est un papier, pourquoi ne pas le jeter et le récupérer pour faire quelque chose. Au début, je n'avais pas cette idée du patrimoine. Après, voilà. Parce que c'est très fin, hein. C'est difficile de pouvoir dessiner sur un petit format comme ça, minuscule. Et pourtant, c'est très joli. Ça me prend un temps fou, en fait, parce que je dois être précis. Combien de temps ça prend, par exemple? Enfin, on va dire 2 heures. Quand même. Hein. Le temps que ça sèche. Ça, c'est Jamak Tchawa. Oui. Waouh, la mosquée Tchawa. Ouais. C'est limite miniature. Hein. Voilà. Ah, c'est bien comme ça. C'est magnifique. Waouh, c'est beau. Et ça peut devenir, ça veut dire, une idée, enfin, pour les tickets. Pourquoi ne pas industrialiser ça. C'est-à-dire, surtout actuellement, il y a beaucoup de touristes qui utilisent le métro d'Alger. Et ils le trouvent super intéressant. Tu n'es pas rentré en contact avec... Le métro d'Alger, c'est ça. La direction, On m'a recommandé cela, d'ailleurs, mais j'ai pas. Je songe y aller. Mm-hmm. Mais l'idée, j'ai pas spoilé l'idée sur les réseaux. Moi, j'aimerais en faire des porte-clés. D'accord. Ou bien des marque-pages. Ah oui, des marque-pages, c'est bien. Mais, aussi. Mais le problème qui se pose, l'idée, c'est de recycler. Ouais. Mais utiliser le plastique, ça, c'est paradoxal. D'ailleurs, là, je suis en train de chercher un polymère biodégradable. C'est-à-dire que la résine, c'est dangereux. C'est du plastique pour protéger le dessin, c'est ça? Oui, j'allais en faire comme ça, plastifier, les trouer pour faire le porte-clés ou bien les trucs pour le marque-page. Pour accrocher. Exactement. Mais là, ça colle pas avec l'idée du recyclage. Donc là, je suis en train de... C'est contradictoire. Exactement. En fait, tu recycles par là et en même temps, tu utilises du plastique. Là, on voit par exemple, j'ai pris cette photo, je me suis permise de prendre cette photo de tes réseaux. Parce que regardez combien elle ramasse les tickets de métro. Elle en a ramassé plein jusqu'à ce que ton chat était en train de jouer avec. Ah,
m'avait volé un pour jouer. C'est avec. Bien, ouais. Moi j'adore l'idée parce que bon, c'est que tu es artiste. Là, on a pas mal de tes tableaux. Franchement, ils sont magnifiques. Surtout celui-là, celui qui est à côté, si on peut le montrer. J'ai intitulé Nuba sous une nuit étoilée. Nuba sous une nuit étoilée. Alors là, c'est les artistes qui sont en bas. Bien sûr, la nuit, les étoiles. Waouh, wow, qu'est-ce que c'est beau. Et les artistes avec la tenue algérienne. Avec la tenue algérienne. Algérienne ou la algéroise? Algérienne. Bon, là, je me suis inspirée d'un orchestre. Parce que comme j'ai fait de l'andalou, j'ai eu le premier prix en 2017. Donc, vous voyez les instruments. Mais c'est plein de choses. Une petite tâche. Après, j'ai arrêté les répétitions par manque de temps, malheureusement. Mais là, vous voyez, il y a toujours un instrument de musique. Je n'ai pas tout ramené, mais... Non, il y a beaucoup d'instruments de musique. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué dans vos toiles. Il y a toujours, presque toujours, un instrument de musique ou un musicien. Exactement. Ça revient toujours. Pour montrer le côté aussi musicienne de Zola. Oui. Et puis, bien sûr, les sacs. Celui qu'on est en train de voir, il est magnifique, celui-là aussi, sur la table. Là aussi, c'est des musiciennes. Oui, enfin, je pense que on les retrouve sur le tableau. Oui, on va voir d'abord le sac et ensuite on ira. Waouh, c'est beau ça. Oh, avec la dja. Oui. C'est beau, hein. Oui. C'est magnifique. Waouh. En plus, les couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs. Vous savez marier les couleurs. Non, aimer les couleurs est une chose, mais après savoir les marier, c'en est une autre. Exactement. Et vous savez marier les couleurs. On le voit dans vos toiles. Apparemment. Hein? Oui. D'accord. Donc, vous avez laissé tomber la musique et finalement, ça vous plaît plus ou quoi? Oui, je ne peux pas courir 3 lièvres. et le boulot. Et comme je suis enseignant-chercheur, donc je suis tout le temps sur au labo bien... Je dois tout le temps lire pour préparer le cours, le TD. Donc, vous avez une idée par rapport à cela. Wow. La musique, c'est... Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, je me suis dit, allez... J'opte pour ça. Oui. Là, c'est une thérapie pour temps. Moi. Je suis plus à l'aise dans le dessin et la peinture que la musique. Parce que la musique, on n'a pas le droit de faire l'erreur. C'est-à-dire, la note, c'est la note. Oui. Mais là, on peut refaire, se tromper, refaire. Exactement. Et même pour le tout ce qui est art naïf, par exemple, comme ce tableau, on peut, enfin, c'est pas du réalisme. C'est-à-dire, on peut laisser errer, enfin, libre. Comme celui-là qu'on est en train de voir. Nous, on est en train de voir celui-là pour le moment. Ah, d'accord. Celui là, c'est qui la est harpe. Harpe. Waouh. Même votre façon de peindre, elle est un peu bizarre. Mais bon, c'est très joli. Et les fils, c'est. Toile d'araignée. Oui. D'accord. Les toiles d'araignée, l'harpe. Franchement, après, chacun l'interprète comme il veut, n'est-ce pas? Et puis, on va voir, bien sûr, le troisième, celui qui est de l'autre côté. Là aussi, c'est des femmes musiciennes ou toujours Oui, l'orchestre féminin et l'orchestre masculin. Ah, donc vous avez fait les deux, l'orchestre masculin. Style, et l'orchestre, on a vu l'orchestre masculin, là on va voir l'orchestre féminin. Toujours, donc c'est quoi le titre L'orchestre féminin, sous une nuba sous une nuit, enfin étoilée. Étoilée, voilà. Nuba féminin, nuba au masculin. Donc inspiré du Van Gogh, la nuit étoilée. C'est magnifique, magnifique, franchement, bravo. Mais vous avez déjà exposé? Malheureusement, pas encore. Pourquoi? J'en ai fait 2 collectifs, mais individuellement. Mais je sais pas. On n'a pas fait appel à vous. Peut-être qu'on ne connaît pas les galeries, ne connaissent pas votre travail, les galeristes. Peut-être oui. Ne connaissent pas. Certainement. Bien sûr, de se déplacer en fait aussi. Enfin, dire c'est des deux côtés. Vous en avez assez pour pouvoir exposer des toiles, des tableaux. J'en ai tellement que. Je crois qu'il est temps qu'on contacte quelques galeristes, Richard. Peut-être que c'est pas une priorité pour le moment, pour vous. Si, non vous aimeriez. Si. Je sais pas, oui, je dirais pas non. Pour une petite galerie comme ça, je. Un artiste, un deux noms déjà. Il y a même des dessins aussi, donc je pourrais encadrer et exposer aussi. Montrer. Donc là, c'est de l'art psychédélique un petit peu. Ouais, c'est très psychédélique, hein. Waouh. Moi, j'ai pas un style bien précis. J'aime bien toucher. C'est John Lennon. C'est exactement ça. John Lennon. John Lennon, des temps modernes. Il y a toujours un point focal qui m'inspire. Là, c'est l'instrument. Wow. Il est violoniste, il va se reconnaître. C'est vrai que le violon peut couvrir un petit peu l'œil. Exactement, c'est, je l'ai fait à partir d'une vraie photo. D'accord. Et puis, il y en a une que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on va le saluer. Là, c'est notre collègue et artiste Zaki Mihoubi, qu'on a déjà reçu dans l'émission. Oui. Alors, lui, il était content. J'ai vu quand il a posté. Et c'est là, d'ailleurs, que je vous ai vraiment découvert c'est pour la première fois. C'est le Gombri qui m'a inspiré. C'est vraiment Zaki. À quand la prochaine de Hicham? Il est jaloux. Tu voudrais avoir un dessin comme ça? Non, ça va. J'apprécie Zaki. Parce que lui, il a le look, il a les j'aime cheveux. J'aime bien son look, en fait. Ouais. Moi, j'adore. Zaki, c'est tout un mode. Justement, qu'est-ce qui vous inspire, vous, pour pouvoir peindre et dessiner Alors, je ne suis pas une artiste qui réfléchit à quoi
peindre, en fait. C'est-à-dire, c'est comme ça, je l'instinct. Lève. L'instinct. Mm-hmm. Dès que je vois un objet, je me dis, allez, tiens, je pourrais en faire telle ou telle chose. Telle, ouais. Ou bien un instrument comme ici, c'est-à-dire c'est bien une paire de lunettes, un chapeau ouais. pour les. Vous en avez fait oui. hein, aussi des dessins oui. sur des chapeaux. Oui. Il y en a plein, hein. il y en a plein parce qu'on a pris quelques photos de Zola. Si on peut les montrer aussi d'autres tableaux, ce serait bien en régie. Parce que j'ai fait une petite sélection comme ça. Mis à part les tableaux qui sont là, il y a encore des photos qu'on pourra voir bien sûr. Voilà par exemple ça. Ça. Ça c'est toi, la oui. Ah, ça aussi, ça parle à Hicham. Hein? Mais ça, c'est un croquis, je ne l'ai pas repeint sur. Mais c'est joli, on voit déjà le croquis. C'est-à-dire, ça commence par un croquis oui. en général. Oui. Oui. C'est ensuite... magnifique, c'est la femme qui porte l'imzad là, c'est, ouais. c'est juste wow. magnifique. Ça, c'est beau. Vous l'avez terminé ensuite, non? Il est toujours sur. Qu'est-ce que vous attendez pour le terminer? Je le verrai. Trouver le temps. Avec des couleurs. Il y en a encore d'autres photos, oui. on va les voir au fur et à mesure. L'essentiel, c'est que maintenant, on attend l'exposition de Zola parce que ce serait dommage de priver, bien sûr, les gens de venir ouais. voir votre travail que je trouve juste très, très beau. Celui-là, par exemple, aussi. Oui, ça, je l'ai vendu. Ouais. Il me manque d'ailleurs. Ouais. L'autre aussi, avec la tenue oui. kabyle. Ça, je l'ai offert. Waouh. Vous offrez, ça va. Ouais. Là aussi, ça, c'est beau. C'est la oui, femme. Il est là. Ah, vous l'avez ramené, oui, celui-là. Il est là. Ah oui, donc c'est... C'est la femme là. Qui insuffla la vie à son enfant. À son enfant. La mosquée et bien sûr la Palestine, toujours. Oui. Ce dessin, il est magnifique. Oui. Voilà. Le triptyque aussi. Il y en a c'est... quelques-uns qui sont là. Là, c'est la Casbah aussi. Enfin... Moi, ça s'est déjà fait. C'est-à-dire, c'est une reproduction. D'accord. Là, c'est un autre sac. Oui. Toujours la musique. Là aussi... ça parle de la Palestine, bien sûr. Bonne année, bombe année, vous l'aurez compris. Ouais. Mmh. Et l'instrument. Ouais. Voilà. On a essayé de montrer un maximum de vos œuvres. Franchement, parce qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Voilà, et ça, je l'ai ramené et vous méritiez qu'on les montre. La dernière fois, c'était trop rapide. Ouais. Il y a aussi quelque chose que ouais. je vois ici, c'est les carreaux. Et ça, ça marche actuellement. Les gens vraiment optent pour ce genre de cadeaux. Wow, c'est quoi ça? C'est de la céramique. C'est de la céramique. C'est de la céramique. Ah, vous peignez même sur céramique. Mmh. Oh. Surtout sur du bois. En fait, j'ai une petite cabane, enfin, un petit studio. Voilà. Ne bouge pas, Hicham, comme ça on voit. Oh, magnifique. Là, c'est la petite maison dans la prairie. Mmh. Hein, oui. Ça ne vous a pas inspiré Je ne sais pas. Je me suis dit, allez, fais un truc de. Donc, j'imagine que chez vous, il y a plein de. Oui. Ah, c'est votre maman ou votre époux. Enfin, je tire ça de ma mère, en fait. Elle adore, elle aussi. Oui. Elle vous encourage? Oui, les deux, mes parents, oui. Elle doit être fière de vous. Aussi, oui. Franchement. Eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, là, on passe le tableau qui est réellement chez nous. On le voit très bien. Donc, la femme qui... Insuffla la vie à son enfant. À son enfant. C'est très, très, très joli. On va en voir un autre qui est juste en bas. Des fleurs. Des fleurs. Oh, magnifique. Voilà, ça c'est vraiment le monde, l'univers de notre artiste qui est juste exceptionnel parce que vous faites aussi de la broderie, vous faites plein. J'ai vu dernièrement, comment on appelle ça le truc, t'as les Indiens d'Amérique. La trappe rêve. Exactement. Un truc comme ça, oui. La trappe rêve, voilà. Vous en faites aussi dans le genre et tout. Bon, on ne pouvait pas tout montrer. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que vous vous exposiez pour pouvoir mettre tout ça. Oui. Hein? Oui. Promis. Moi, en tout cas, je vais parler à quelques galeristes que je connais. Ouais. J'espère qu'ils vont vous inviter parce que vous le méritez. Vous vouliez rajouter quelque chose, Zola? Non, vous avez tout montré, oui, ça va enfin, ou... En principe, oui. Là, j'essaie aussi de faire... J'aimerais bien faire une exposition... Enfin, concernant enfin, le titre, je ne sais pas si je pourrais dire le titre, de enfin, le thème de l'exposition, mais enfin, peut-être que Alger vu sur les tickets de transport en commun. Bien sûr, voilà. Pourquoi pas enfin, vous avez le temps de chercher un titre, mais ce serait bien de le faire justement dans les stations de tramway ou de métro. Oui, on m'a recommandé en fait, parce que c'est là que vous allez attirer de plus de monde et je pense que vous allez vraiment faire parler de vous. Exactement. Donc il faut prendre contact avec les services concernés. Oui, hein? Je vais faire. C'est ce qu'on vous souhaite. Et dès que vous avez l'expo, nous, on vient filmer. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Avec plaisir. Très bien. Alors, on va voir une petite vidéo. Là, on est... Alors, qu'on me rappelle à la régie, parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui que des fois, je m'y perds. L'opération... Ah oui, très bien. D'accord, on va rester dans les bonnes actions cette fois-ci. Et ça, c'est juste une parenthèse. Merci, Zola. Tu restes avec nous. Bien sûr, on reviendra à toi tout à l'heure avant de passer à la chronique de Hicham Daou. J'aimerais juste... Parce qu'il y a une autre Zola aussi qui nous a marqué, Zola Jnan, qui est, que vous connaissez certainement, oui, à peu près. Elle est artiste, elle fait plein de choses, grimpeuse et tout. Elle était venue pour nous annoncer, rappelez-vous, une opération très importante. Hein. Oui. C'était du bénévolat, tout un groupe de médecins et tout qui sont partis du côté de Janet. Oui.
pour opérer des enfants, des personnes âgées, de la cataracte. Et elle m'avait appelé juste le lendemain de l'émission et elle m'a dit, Lilia, franchement, merci beaucoup pour le passage, parce que c'est grâce au passage à Canal Algérie que les gens l'ont contactée. Elle a pu récolter plein de médicaments, plein d'aides. Donc voilà, on est content d'avoir pu contribuer à cette opération. Et justement, elle m'a envoyé quelques résultats. On va voir ce bonhomme, ce monsieur, qui est très touchant. Vous allez voir, qui s'est fait opérer de la cataracte. Ouais. Et il était très, très content. On regarde la vidéo. Monsieur, ça fait 3 jours qu'il n'y a rien. Il voit rien. Il y a drogue, il vient pour le deuxième aussi. Alors, regarde comment il va. Ok. Alors, problème, on va faire le poisson. On va faire le poisson. خليه نو لات با لو لات با تعاونوش هل عينيك هل عينك سفيه عمي عمي شوفيها تشوفني واو دير هيك دير هيك صورك حس منك هيا حز هيا حز الله هيا روح اسمع اسمع دقيقة Voilà, donc bravo au docteur Kouloughli, bien sûr, de Tlemcen et toute son équipe de bénévoles qui se sont déplacés donc à Janet, et ils ont pu opérer plusieurs personnes de la cataracte, des enfants aussi, des femmes âgées, des hommes aussi d'un certain âge comme celui qu'on a vu, qui, comme le disait le docteur au début, ne voulait même pas partir. Et puis ensuite, il a fait le premier et il est revenu pour le deuxième. Il a repris, la vue et la vie. Et il voit très, très bien. Voilà, donc bravo, bravo, bravo à Zola, notre artiste, celle, pas celle qui est là, mais l'autre Zola, Fatma Zahra Jinan, franchement bravo. On va passer tout de suite à la chronique de Hicham Daou, El Marsam, c'est tout de suite. Alors Hicham, je n'ai pas compris pourquoi Skikda, parce que je m'attendais à ce que tu nous parles du Sud, c'est la période, non? Pourquoi Skikda? Skikda, alors Lilia, bon, une bonne remarque, pourquoi? Parce que l'avantage et la force de frappe de notre destination, c'est l'assemblage des trois circuits ou des trois types de voyages. C'est-à-dire on a le balnéaire et les hauts plateaux. Et on a le tourisme saharien. Mais le balnéaire, comme ce n'est pas la période en ce moment, mais ce qui est intéressant, c'est les visites culturelles. Ouais. Et dans la ville de Skikda, que beaucoup de gens ignorent, que le circuit culturel sur place est très, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut parler de plusieurs sites culturels comme le théâtre, comme la gare ferroviaire, comme l'hôtel, la commune ou la mairie de Skikda. Et d'où vient cet intérêt, Lilia? Parce qu'il y avait un architecte qui s'appelait Charles Montalon, venu pour justement construire à l'époque coloniale. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet architecte-là, il est venu pour une construction européenne, mais il était influencé par la culture mauresque. D'ailleurs, il a fait sa formation dans le palais de Dar Aziza, dans la place des Martyrs, et à partir de là, a commencé la construction
dans le style néo-mauresque. C'est pour ça, tous les édifices qu'on voit là sur... peut-être Hadjar va nous diffuser quelques... On a montré déjà une photo. Voilà. On va montrer les autres. Voilà. Donc voilà, là on parle du palais Maryam Azza. Maryam, c'était la femme du gouverneur de l'époque, qui était très imprégnée par la culture locale et orientale. Et il a aussi construit la poste, la mairie. Et notre sujet aujourd'hui se base justement sur le contenu et l'intérieur de cette commune de Skikda. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pourquoi ? Parce que avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une grande exposition des plus grands orientalistes au monde. Donc, une série de toiles et de tableaux dépassant, je pense, les trentaines de tableaux. Et donc, ils ont organisé tout un salon dans la ville de Skikda. Après le déclenchement de la guerre, les tableaux sont restés à l'intérieur de l'ex-hôtel de ville actuelle commune de Skikda. Et c'est des tableaux des plus grands orientalistes, je peux citer comme Raffaelli, Adam Stika et plein d'autres. Et pour le bonheur des Skikdi et pour le bonheur des... Là, c'est Raffaelli, un tableau de Raffaelli. On dirait Charles Kanz. Non, pas Charles Kanz. La paire, là, les deux, là, qui faisaient rire. L'Aurel et Hardy. Non, pas L'Aurel et Hardy. Bon, je trouverai. Vas-y, continue. D'accord. Alors, ce qui est intéressant pour les visiteurs de la commune de Skikda... Firenze et les Bud Spencer. Tu te rappelles? Ah oui, oui. Alors, un des... Donc, pour les visiteurs de la ville de Skikda, ils peuvent aller contempler ces tableaux à l'intérieur de la mairie. Et c'est des merveilles. C'est vrai que la plupart des tableaux sont conservés dans le bureau et les bureaux du premier, les bureaux du maire. Mais la plupart des élus sont super gentils, c'est-à-dire pour les amateurs de l'art, ils peuvent ouvrir et montrer. Et je pense qu'il y a de temps à autre, ils exposent des cérémonies dédiées pour promouvoir et montrer ces tableaux au grand public. Merci là, de nous les montrer. Hein, oui, c'est Adam Stika, un grand peintre orientaliste. Il y a même, ce qui est intéressant, dans la ville de Skikda, des conservateurs carrément qui ont dédié des livres pour répertorier ces tableaux et pour les conserver et les sauvegarder. Donc, un grand salut pour ces gens-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui Skikda Lilia par rapport à ce circuit culturel. Ah, d'accord. Donc, il fallait préciser que c'était beaucoup plus pour les tableaux, parce que des tableaux comme ça, c'est magnifique. C'est des tableaux avec une valeur, je dis bien, inestimable. Ouais, merci de nous avoir montré. Hein. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hein, Zola, il te c'est le marché, c'est le marché de Rardaya, Lilia. L'autre fois, je t'avais dit que Rardaya, c'était les initiateurs de tout ce qui est tourisme chez l'habitant et tourisme sahara. C'est vrai. Ouais. Franchement, merci Zola, ça t'inspire. Hein. Oui. Ouais. Un artiste. Déjà là, je suis en train de voir et de... De voir qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Tout de suite, elle a trouvé. Franchement, merci Hicham pour ce beau voyage à travers ces tableaux qu'on peut aller voir avec un peu de... Oui, mais ce n'est pas ouvert au grand public. Oui, mais ce qui est intéressant... Pourquoi ne pas les exposer? Pourquoi ils l'exposent? Oui, non, ils font des expositions. Ils font des expositions, mais comme c'est des toiles d'une valeur inestimable, de les exposer à chaque fois, ça peut abîmer les tableaux. En tout cas, merci de nous avoir. Moi, je ne les avais jamais vus, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont dans le même cas que moi. C'est un réel trésor à l'intérieur de la commune. Ah ouais, tu as bien caché ton jeu. Hein. Franchement, bravo. Moi, je pensais que tu allais nous parler de la mer, de la plage. Non, du tout. Ce qui est intéressant, Lilia, dans l'univers Algérie, à chaque fois, tu peux découvrir des trésors cachés quelque part. Et ce qui rend notre destination vraiment une destination mystérieuse, et pas une destination hautement touristique, mais à consommer sans modération. Exactement. Merci beaucoup, Hicham Daou. Merci, Zola. Je te souhaite déjà une exposition très rapide, très rapidement, des tickets. On rappelle, voilà, les tickets de métro que tu as entre les mains. C'est juste magnifique. On peut voir, bien sûr, la baie d'Alger, la Kasbah, Jamak Chawa, les femmes aussi avec le Hayek. En fait, c'est tellement diversifié, voilà, on est en train de les voir, c'est juste magnifique et c'est une initiative à encourager. Et voilà, il faut
déposer ça. Lazem chi serqou le clip. Attention, parce que tu es la preuve. En tout cas, tu as le passage avec la date. C'est bon. Voilà, c'est bon, t'es rassuré, t'es tranquille. Très bien, merci. Bravo pour toutes les belles choses que tu fais, que ce soit pour les sacs, les tableaux, les tickets. Voilà, tu ne t'arrêtes jamais. Et franchement, bravo. On ne peut que t'encourager parce que, franchement, tu es une grande artiste finalement. Grande, je ne sais pas, mais. Très modeste, mais très modeste. Mais c'est bien, tous les grands artistes sont modestes. Donc voilà, reste comme tu es. Les meilleurs, c'est les. Enfin, il y a quelques artistes grandioses, mais qui méritent leur arrogance. Oui, qui ont un grain de folie, mais ils le méritent. Ils le méritent, voilà. Très bien. Voilà, dans quelques instants, nous allons parler de cinéma, mais pas que, avec non pas un, mais deux comédiens. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça s'est passé. L'essentiel, c'est qu'ils seront là avec nous tous les deux pour parler d'un film qui va certainement faire parler de lui, qui devrait sortir au mois d'avril prochain. Mais nous, on vous en parle dès maintenant sur Canal Algérie. On est très contents de pouvoir le faire. Mais avant cela, toujours cette pensée pour la Palestine, avec une autre chanson très engagée pour la Palestine. We Don't Forget, on y va tout de suite. La Palestine, depuis le début des bombardements, on en parle et on en parlera tant que la situation demeurera ainsi, malheureusement, bien sûr. Allez, tout de suite, on va parler de cinéma, mais pas que, vous allez voir et vous allez comprendre. En fait, je vous explique, au départ, c'était prévu qu'il y ait un acteur et puis le deuxième, on l'a convaincu de venir. Il a dit non, je veux attendre jusqu'à la sortie du film. Il était là, il l'a accompagné. Mais bravo Soraya, Hamoudi, la réalisatrice, elle a réussi à le convaincre. Et finalement, il est venu parce que lui, c'est le rôle principal, bien sûr, du film Blues Dead, qui devrait, bien sûr, sortir en salle le mois d'avril prochain. Donc nous, on en parle déjà parce qu'il a été tourné. Normalement, c'est terminé. Et puis, on attend la sortie. Et je vais présenter, bien sûr, les deux invités. Alors, Lhadi Douar est avec nous. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez un autre nom d'artiste, c'est quoi, que vous avez sur les réseaux sociaux? Non? Oui, non, ça c'est mon... D'accord. Non, c'est mon pseudo, c'est Ditz the Kid. Ça veut dire quoi, ça?
Did, c'est mon prénom, comme, c'est mon surnom, comme j'en ai plein, et The Kid, pour moult raisons que j'aurai l'occasion de. Eh ben, on en restera là. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'acteur Hadi Dawar, voilà, qui est avec nous. Merci vous l'avez certainement lui vu. Bon, on ne parle pas du film, hein, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, parce que tout à l'heure, Zola, notre invitée, elle a dit, vous êtes écrivain, j'ai vu, hein. Puis ensuite, je lui ai donné juste un indice. Je lui ai dit, tu n'as pas l'habitude de voir la petite série, la comique Fifi et Mouramarat Fifi. Elle a dit, oui, les belles chiches ou Madnose et tout. Eh bien, il est là et on est content de le recevoir. Franchement, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir conviés. Franchement, je suis très contente. Et juste avec à côté plaisir. De toi, donc celui qui a interprété le rôle justement de Blues Dead, l'acteur, on va dire, le rôle principal, il s'agit bien sûr de Ghana Nasreddine. Marhaba bik, merci d'être merci. Là. Merci. C'est tout un bienvenue. Plaisir d'être parmi vous. Eh ben voilà. Pour une première fois, pour un premier passage à la télé, passer chez Canal Algérie, c'est toujours un plaisir. Ouais, je suis trop contente. Il ne faut jamais dire non. Et aussi avec mon collègue Léad. En plus, lui aussi, il est pour quelque chose. J'ai œuvré en coulisses. Il a insisté lui aussi. En tout cas, merci à vous deux d'être venus avant même la sortie du film. Bah, on va commencer par le film déjà. Quand on dit Mohamed Belouz dead, ça fait partie de l'histoire. On est en train de parler de l'histoire. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du tournage de ce film, notamment dans les rues d'Alger et pas que. Alors déjà, ça fait quoi de participer dans ce film, que ce soit vous ou vous? Mais je vais commencer par vous en tant que, on va dire, rôle principal, celui de Mohamed Belouz dead. Le fait de participer à ce film, déjà d'une part, c'était une énorme responsabilité. Oui, j'imagine. C'était une responsabilité colossale que... J'ai pas les mots pour la décrire, en fait. Et d'autre part, c'était un honneur d'interpréter ce personnage qui fait parler de lui. Et comment on a fait appel à vous? C'est le réalisateur qui vous a contacté? Vous avez fait un casting Effectivement, j'ai fait un casting comme tout le monde. Et le réalisateur m'a choisi. D'ailleurs, on le salue, Rachid. En plus, vous lui ressemblez. Hein. Ça, donc, on n'arrête pas de me le dire. C'est incroyable. Oui, on n'arrête pas de me le dire. C'est incroyable. Donc, ils ont bien choisi la personne. Parce que c'est important aussi le physique. Quand on parle comme ça d'un film historique, d'une personnalité historique aussi, il faut qu'il y ait quand même une certaine ressemblance. Oui, évidemment. Après, c'est tout un travail sur les plateaux de tournage, l'interprétation du personnage. C'était facile ou un petit peu compliqué? Pas compliqué, mais pas facile non plus. Stressant? C'était... ça venait du cœur, en fait. C'est ce qui m'a facilité la tâche. Voilà, là, on a la photo, bien sûr. De Mohamed Belouz dead, Allah yarhamo. Allah yarhamo. Voilà. Et c'est vrai que vous lui ressemblez, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais vrai. On dirait son fils ou son petit-fils. Surtout qu'il était rasé pendant le tournage, en si plus, je peux me permettre. Si. Voilà. Donc la ressemblance était d'autant plus frappante. Oui. Exactement. Donc une belle expérience pour vous. Vous aviez déjà participé avant? Parce qu'on ne vous voit pas, c'est la première fois. Vous êtes une révélation. On va dire ça comme une révélation grâce à Rachid Belhaj, grâce à la télévision algérienne aussi. Oui. C'est mon premier projet, le faire avec la télévision algérienne, c'est un honneur. Donc. C'est pas donné à tout le monde, hein, de faire un premier projet et interpréter le rôle principal. Donc, Dieu merci. On vous attend au tournant, attention à la projection. Mais non, je vous dis ça juste pour vous stresser un peu. J'imagine que c'est quand même, vous portez du lourd là, hein, vous avez un poids sur les épaules. Faut assumer. Ouais, je suis sûre que ça s'est bien passé. On va regarder la bande-annonce, si on peut appeler ça une bande-annonce. Enfin, ce qu'on peut en tout cas voir. On a le temps de la passer avant l'Aden? Oui? Oui? Allez, on regarde déjà ce que ça donne à peu près. Ça a été posté sur le site, bien sûr, de l'ENTV. Et on se retrouvera juste après. Voilà, c'est très rapide, hein, ils ne nous ont pas trop donné, je trouve là qu'une petite goutte, suspense, comme ça on ira le voir bien sûr en salle de cinéma. Vous êtes impatients tous les deux, qu'il y ait la sortie? Bien sûr, bien sûr, surtout que les jours de tournage étaient longs et... Ça a duré combien le tournage? Un peu plus d'un mois quand même. Très bien.
On était en train de parler, bien sûr, avec nos deux acteurs qui nous font l'honneur d'être là, en tout cas pour la première fois sur Canal Algérie. Je suis très contente de les recevoir. Ils ont tous deux participé, bien sûr, au film Belouzdad qui devrait sortir donc le mois d'avril prochain. Et donc, ils ont décidé gentiment de venir en parler en acceptant notre invitation. Donc, on avait commencé par parler avec Ghanan Saddine, je le rappelle, qui interprète le rôle de Belouzdad Lairahmo. Et puis, bien sûr, Lhadi Douar. Alors, c'est quoi votre rôle dans le film ? Je joue le rôle de Mohamed Boudiaf, Lairahmo. Waouh ! Même si cette fois la ressemblance n'y est pas comme pour Nasreddin. Oui, mais j'imagine peut-être qu'avec le maquillage, on n'a pas encore vu le film. Donc oui, non, on sait pas, bon, hein, on a vu un léger extrait où j'apparais, mais... Il avait la vingtaine aussi, donc... Oui, mais lui aussi, jeunes, à l'époque, il était jeune. Non, mais je dis ça parce que dans tout le casting, la ressemblance est frappante avec les acteurs historiques. Oui. Alors pourquoi le réalisateur, selon vous ? Vous lui avez déjà posé la question ? Pourquoi moi, pour ce rôle ? Du tout. Ben, je n'ai pas la prétention de demander ce genre de choses. C'est déjà énorme qu'il fasse appel à moi et qu'il croit en moi. Non, pas dans le sens pourquoi moi, non. Pourquoi oui, moi ? Oui, pourquoi ce rôle pour moi ? J'ai bien compris. Tous les autres ressemblent un petit peu à nos héros. Pour moi, pas. Pourquoi moi, alors ? Peut-être qu'il a décelé du talent chez vous aussi pour ce rôle. J'en suis sûr. Oui, peut-être, bah oui. Merci, j'ai pas le... Oui, bah oui, sinon pourquoi vous aurez choisi ? C'est que vous oui, avez non, du talent. Bien sûr. C'est... Merci encore une fois, mais c'est un rôle quand même très important. Mohamed Boudiaf est un personnage très aimé des Algériens. Mmh. Malheureusement, qui nous a quittés. Et voilà, interpréter ce rôle, c'était une responsabilité et un grand honneur quand justement, même. Justement, est-ce que le réalisateur vous demandait, au-delà du scénario, d'interpréter le rôle, parce que voilà, vous aviez un scénario, donc il fallait l'apprendre, il fallait l'interpréter. Mais est-ce que, puisque c'est un film quand même historique, est-ce qu'il vous demandait aussi de vous documenter, de faire des recherches Bien entendu. Peut-être que ça va rajouter un plus, ça va vous enrichir. Bien sûr, déjà, on le fait à titre personnel quand on... Quand on a des rôles aussi lourds à porter, si je puis dire. Donc, j'ai vu beaucoup de documentaires. Bon, déjà, avant même d'avoir été nommé pour le film, on connaît tous Mohamed Boudiaf. Là, on voit une très, très belle photo, pardon, en noir et oui, blanc. Oui, bien sûr. Magnifique. Exactement. Mm-hmm. D'ailleurs, l'équipe qu'on salue, Jamel et Mohamed. Voilà, qui est lui aussi, hein, qui a beaucoup de talent. Qui lui aussi, exactement. D'ailleurs, ce tournage m'a permis de connaître Nasreddin parce qu'on ne se connaissait pas, comme pour beaucoup d'acteurs qui participent dans le film. Mm-hmm. Et j'ai été très agréablement surpris de faire autant de belles connaissances et ils étaient tous très professionnels. Ouais. C'était une très très belle expérience. On travaillait en famille. Exactement. Pas... J'imagine qu'il y avait une super belle ambiance entre vous. Mais moi, je voudrais savoir, surtout quand il s'agit comme ça d'un film historique, est-ce que à un certain moment, quand vous êtes là en train d'interpréter les rôles, vous sentez pas que, c'est-à-dire, le personnage vraiment vous habite et que vous êtes vraiment en train de vivre cette période ? Bah pour revenir à ce que je disais précédemment, oui, bien sûr. Donc déjà, on est complètement imprégné du personnage. Donc moi, à titre d'exemple, pour Boudiaf, il fallait que je roule les R. Parce qu'il maîtrise très bien la langue française, mais il fallait un peu rouler les R pour bien s'imprégner du rôle. Crédible et voilà. Tout à fait, exactement. Mais après, vous savez, une fois qu'on est face à la caméra et que notre texte est appris, qu'on a les costumes, qu'on a toute l'équipe qui est autour... On est obligé d'y mettre du sien et après, voilà quoi. J'ai l'impression que vous êtes encore dans un rôle, vous, non ? Un rôle, moi ? Vous êtes encore dans ce rôle-là ? Dans ce rôle ? Non. Non, ça va ? Non, pas du tout. Vous en êtes un petit peu détaché parce qu'il y a des comédiens, des acteurs, quand ils interprètent un rôle qui a été fort pour eux en émotion, ils ont du mal à s'en détacher. Ça peut prendre même des mois. Ils sont encore dans ce rôle-là. Est-ce que vous, ça vous est arrivé ou pas ? Pas du tout. Non. Pas du tout. D'accord. Une fois qu'on a fini le film, bon, c'est vrai que quelques jours après, j'étais encore dans mon personnage, mais pas des mois après. D'accord. Par contre, Nasreddin, je pense que... Moi, ça m'était arrivé. Ouais. Je pense que plus que moi. C'est normal. Hein. C'était un travail de... presque une année quand même. Ouais. C'est difficile de, après, s'en détacher. Non, c'est pas difficile. Tout dépend de... de l'artiste. Donc, Il vous a fallu combien de temps pour vous détacher de ce rôle-là, de l'oublier un petit peu, de non, dire que ça y est. Non, il n'oubliera pas, il restera gravé. Non, pas l'oublier, c'est-à-dire de c'est bon, j'ai fait ce rôle, donc c'est bon, je ne suis plus dans ce personnage-là. Il vous a fait quand même quelques jours. On va dire, oui,
Depuis que je suis rentré à la salle de sport. Et... Ouais. Tu t'es détaché du voilà, personnage. Je me suis détaché du personnage. D'accord. Parce qu'il a fallu que je perde du poids pour... D'accord, carrément. Pour, ouais, carrément pour ressembler à... C'est ce qu'on vous avait exigé avant le tournage? Non, il n'avait pas besoin, mais d'un côté professionnel pour faire des choses bien, on va dire. Et... D'accord. C'est Mohamed Belouzdad, donc... Exactement. Je pense qu'on a tous perdu un peu de poids. Ah la bon responsabilité du film, on a tous perdu... Non, mais vous étiez beau sur la photo, en tout cas. C'était vraiment l'époque, j'imagine. Et ils étaient tous beaux, hein, nos Mujahidin, nos Shuhada. Voilà, Allah yarhamhum. Et à travers ce film, on pense à tous nos glorieux martyrs, Allah yarhamhum, qui ont consacré leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Et si on est là tous aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc voilà, j'imagine. J'aimerais bien être à votre place. D'ailleurs, je suis jalouse, hein, pouvoir interpréter des rôles comme ça, de personnalités comme ça. Pour nous d'être avec vous aujourd'hui sur les plateaux de Canal Algérie. Franchement, donc, on est très très contents. Oui. Je suis très très contente. Merci en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, le tournage s'est bien passé pour l'un, pour l'autre. Bien passé, ouais. Mm-hmm. Et on a fait de belles connaissances en plus. Voilà. Moi, j'ai gagné. Ça vous a ouvert les portes pour d'autres rôles? Est-ce qu'il y a... Enfin, vous me direz, le film n'a pas encore été projeté. Oui. Donc, mais est-ce que vous avez eu des échos, par exemple, d'autres réalisateurs ou réalisatrices qui voudraient faire appel à vous? Pas encore? Bien sûr, si? Bien sûr. Par ricochet, mm-hmm. par effet de ricochet, oui. Ça fait un peu de bruit autour de nous. Ouais. Un film aussi lourd. Mmh. Avec une telle jeunesse. Exactement. Mmh. Donc oui, on a été approché. Enfin, je parle pour moi, mais même Nasreddin, si je peux vendre la mèche, on a été approché par quelques réalisateurs. Moi, j'ose c'est pas tout à dire. Fait donc, non, on donnera pas de nom, mais ça fait partie. On ne vous demande du... pas des noms, mais juste non, dire sûr. Est-ce que ça vous a ouvert des portes pour d'autres rôles, d'autres films. Ça nous a pas encore ouvert de portes, mais ça nous a fait connaître dans le milieu du en cinéma. En tout cas, il y a eu des entendu. Contacts. Oui, bien entendu. C'est des petites fenêtres qui se sont ouvertes, on va dire. En attendant les grandes portes. Des fenêtres de tir. Voilà. En tout cas, on est très contents pour vous deux et pour tous ceux qui ont participé à ce film, je le rappelle, de Rachid Belhadj, qui sera normalement projeté en salle le mois d'avril. Donc, ce sera juste après Ramadan ou pendant Ramadan? Parce que Ramadan aussi, c'est le mois d'avril. Je ne sais pas, mais... Vous n'avez pas encore de date. On va dire peut-être légèrement après, mais oui, avant l'été, éventuellement. Inch'Allah. Et puis là, vous pourrez vraiment voir comment le public va accueillir ce film et je suis sûre qu'il va adorer, n'est-ce pas? Plus que ce sera long de le sortir, plus il sera bon à voir. Et... D'accord. Donc vous voulez que ça tarde encore pour sortir? Pourquoi pas, oui. Pourquoi? Bah, pour faire un bon film, faut toujours prendre son temps. Et... D'accord. Donc là, il est en montage, le film? Oui, certainement. Il est en post-prod. En post-production. Oui. D'accord. Donc, eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion de recevoir, pourquoi pas, le réalisateur Rachid Belhadj qui viendra bien sûr nous en parler. Il est le bienvenu. Même après, vous voulez venir avec lui, vous êtes le bienvenu. On a une énorme confiance en Rachid Belhadj qui a fait un travail. On le voit d'ailleurs à l'image. Oui, monsieur Belhadj, qu'on salue d'ici. Voilà, il ne nous voit pas, mais on peut le saluer. Peut-être qu'il regarde chez lui, je ne sais pas. Il a fait un travail remarquable. Ouais. Et aussi notre directeur photo, aussi, Karim Belhadj. D'accord. C'était franchement, il n'y avait rien à dire. Du top. Les techniciens aussi. Mm-hmm. On s'est investis tous dedans. En tout cas, vous nous donnez vraiment envie d'aller le voir. Hein, et on se dit, oh là là, on aimerait. Mais qu'est-ce qu'il fait, je ne chauffe au haka? On attend la prochaine. Bien sûr, et comment? On ne va pas rater ça pour rien au monde. Avant la grande diffusion en salle, il y aura l'avant-première. Bien sûr, et on sera là, bien sûr, avec nos caméras, Inch'Allah, bien évidemment. Bien sûr, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir parlé, bien sûr, de ce film avant tout le monde. Finalement, on a eu une petite exclusivité, ça on peut le dire, une grosse même exclusivité sur le plateau de Souris. Vous êtes sur Canal, bien sûr, vous allez rester avec nous, hein, ce n'est pas encore terminé, parce que j'aimerais aussi m'adresser à alors, je le rappelle, Hadi Douar, qui est donc acteur. Mais là, on va parler beaucoup plus de comédie, parce que c'est vraiment une comédie, ce dont on va parler. Est-ce que... Nasreddin, je me permets de te tutoyer. Oui, est-ce que tu suis un petit peu ce qu'il fait dans Mouramarat, Fifi? Bien sûr, oui. D'accord. Ouais. D'accord. Si vous n'avez pas. D'ailleurs, il fait des choses formidables. Ouais. Ah, bon, moi, j'adore. Franchement, je suis fan. Déjà, on salue Hannah Mansour, qui écrit, qui est là, qui. J'espère qu'on la recevra parce qu'elle a été. J'ai pas voulu l'inviter parce que ça fait pas longtemps qu'elle est passée avec notre collègue, bien sûr, du cinéma.
Nabil Kitouni, mais on l'invitera, Inch'Allah, dans l'émission. Et aujourd'hui, vous la représentez d'ailleurs très très bien, hein, parce que bon, lui, merci. Il a invité la femme, moi j'ai invité l'homme, comme ça, parce que vous êtes un duo finalement dans cette comédie. Moura Marat Fifi, si vous ne l'avez pas encore vu, voici un petit extrait. Sbah al-khair, Omar. Nanati, sbah al-khair. Chalou madnous. Madnous, ma tiwa wata, makla. Tchala balak, ana habbit makoul. Qu'est-ce que ça? واسمني فيفي فيفي مختار ونحب واحد جامي مقيم انا هو عمر فارس احلام فيفي وفيفي ما راهيش كاع تقيم ديسيديت ندير كيما يديروا في الفيلم نهدي الالوان مش تسحق خداع فيفي ناناتي ما خدعتكش عندك لاكوزين تاعي واش بيك على الشيطان الحبام عمر شنو صار هنا هاي كيفاش خلصت علي Voilà, ça c'est un petit extrait, on en regardera un autre dans quelques instants. Franchement, ça a bien marché, hein. Ça marche très très bien, parce que c'était assez risqué au départ. D'ailleurs, je suivais un petit peu les posts de Hannah Mansour qui disait à sa communauté, voilà, j'espère que vous allez adorer, on la voyait courir, tourner, écrire, etc. Et finalement, voilà, tout travail a un résultat finalement. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Mm-hmm. Merci, très cher. Vous avez aimé cette expérience ? J'ai adoré cette expérience parce que déjà, là, c'est une autre facette de vous. Là, on est vraiment dans l'humour, ah, oui, là, on est la complètement, comédie. Oui, oui, dans la comédie. Et puis, c'est très ludique. Et puis, on s'entend très, très bien, Hannah et moi. Mm-hmm. Et puis, c'est parti. C'était un pari à la base. Mm-hmm. Donc, Hannah, que je rencontre à la boîte de communication d'ECA, dans laquelle ouais. je travaille, que je salue par ailleurs. Et bon, on s'est connus là-bas. Et elle me fait la confidence qu'elle a Moura Marat Fifi, qu'elle veut tourner avec nous. Oui. Sachant qu'elle a déjà fait une première saison avec son téléphone, qui oui. a très très bien marché. Mm-hmm. Et pour cette saison 2, où elle intègre complètement Omar dans le scénario, elle décide de faire appel à la boîte d'ECA, donc avec un matériel un peu plus voilà, professionnel, on va dire. Et c'est comme ça que Moura Marat Fifi a commencé vraiment. Exactement. Déjà, le premier épisode, très regardé. Hein. Franchement, les gens ont adoré. J'ai lu un petit peu les commentaires parce que quand c'est des fois sur les réseaux, ça dit tout et n'importe quoi. Mais là, c'était vraiment de bons échos. C'est vrai, c'est vrai. N'est-ce pas ? Alors là, on a vu un peu plus Fifi. Et là, on va voir beaucoup plus Omar, c'est ça ? Tout à fait. On regarde. J'adore l'histoire des tchihats, hein, sarf dans chaque tchiha. Alors, chaque tchiha, où je fais ça Bon, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes tirelires. J'essaie de les remplir petit à petit en ne lâchant pas mon rêve d'acheter une 404 pas bâchée. Oui. Pour le coup, parce que beaucoup vendent dans les 404 bâchées. C'était un petit clin d'œil. Oui. Et voilà quoi, c'est une simple histoire d'amour entre voisins, parce qu'il faut préciser qu'on est voisins oui, à la base. Oui, vous êtes voisins. Mm-hmm. Qu'on a grandi ensemble, donc les gens le comprennent et qu'on est, mm-hmm. on est au début des années 2000. D'accord. Donc les costumes, etc. Très bien, mais ça va. Oui, on l'a compris hein, selon les costumes. Mais là, vous en êtes à quel épisode ? Numéro combien ? On a fini. Oui. C'était 8 épisodes. D'accord. Il n'y aura pas une suite ? Probablement. Ouais, bah, faut pas très que ça s'arrête. Probablement. Hein. Parce que c'est ça, quand ça commence à bien marcher, des fois ça s'arrête. Alors que non, on en redemande. Donc ça marche bien, donc il faut continuer. Mais après, il faut écrire, ça demande du boulot. Il faut écrire, exactement. Ça demande beaucoup de travail en amont. Mais alhamdoulilah, on arrive à bien faire les choses. Surtout qu'on n'est pas une équipe de 200 personnes, quoi, je veux dire. Ouais, vous êtes, on se concerte les réduite, idées. Hein. On n'est pas deux non plus, mais ouais. on est une bonne équipe pour pouvoir bien se concentrer, bien échanger entre nous. Et il y a des idées à prendre tous les jours de n'importe qui.
Et on vous voit là avec votre boîte de salq et de nana et de oui. Madnouz, etc. Mais vous jouez bien, vous aussi, hein, ce rôle-là. Hein, il vous a habité, vous l'avez bien interprété au point où, tout à l'heure, elle ne vous a même pas reconnu, l'artiste peintre qu'on a reçu. Alors qu'elle vous connaissait, elle vous avait déjà vu. Exactement. Bon, c'est peut-être parce que je suis tout le temps rasé dans les épisodes et que je suis coiffé d'une manière. D'une autre manière. D'une c'est autre le look. Exactement. C'est le look qu'on vous voit là tous les deux. Et franchement, moi, j'adore. Vous aussi, merci j'imagine. Beaucoup. Énormément. Ouais. Et j'espère qu'il y aura une suite. Je l'espère aussi. Est-ce que justement vous écrivez avec elle par la suite ou c'est elle qui écrit tout ? C'est Anna. Alors à la base, bien entendu, c'est elle qui arrive avec une première écriture, si je puis dire. Oui. Et après, on essaye de combler les vides là où il y en a. Il n'y en a pas tout le temps. Oui. Mais vous savez, des fois, quand on écrit un scénario, c'est très difficile de le transposer sur l'écran. Donc des fois, ça ne. Ça c'est pas comme on le veut, pas, oui. Exactement. Mm-hmm. Donc on est obligé d'enjoliver un peu, de combler, et c'est là où on obtient un épisode très bien fait. Donc elle vous laisse libre cours à votre imagination aussi pour tout écrire, pour un petit peu bien compléter sûr, des phrases ou improviser. Il y a de l'improvisation ou pas, où tout est écrit ? Vous savez, on a un texte. Après, on n'est pas obligé de recracher mot à mot. Donc, on interprète beaucoup plus qu'on ne recrache le texte. Ouais. Et puis, Omar, le personnage de Omar, c'est un personnage commun. Je veux dire qu'on retrouve dans tous les quartiers d'Alger. Tout le monde devant le Madenos, je veux dire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est pour ça que je voulais savoir quand vous tournez, par exemple, parce que vous tournez jusqu'à maintenant, vous n'avez tourné qu'à Alger. Hein, c'est Alger. Pour Mouramarat Fifi, Alger, oui. Je parle de Mouramarat Fifi. Tout à fait, bien sûr. Quand vous tournez comme ça, cette équipe de jeunes, que ce soit elle, vous, Hanna, comment les gens vous accueillent au lieu de tournage ? Est-ce qu'ils sont sympas avec vous ? Est-ce que l'ambiance est belle ? Est-ce qu'ils sont là ? Ils vous sont là, l'ambiance est belle. On reçoit beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Ouais. Et tout le monde veut mettre la main à la pâte. Par exemple, quand j'ai la table de Madenous et de Hachiche, on ne nous la prête pas. On achète tout le Madenous et tout le Hachiche. Donc le vendeur est content d'avoir écoulé tout son stock. D'accord. Et nous, on est content d'avoir une très belle table de Hachiche. Je pensais qu'ils vous le prêtaient. Non, finalement, non, vous achetez tout. Bah, hein. Les gens travaillent quand même. C'est du vrai Hachiche. C'est vrai. C'est du vrai Madenous. On n'est pas parti le cueillir, vous vous en doutez bien. C'est vrai. Donc on a trouvé une table, on a trouvé un arrangement, bien entendu, avec quelqu'un qui s'est porté volontaire, qui était content, je suppose, de nous vendre tout son stock. Et nous, on est content d'avoir de belles raptates de chiche et de madenos. Mais sinon, tout le monde participe, surtout qu'on est dans des quartiers populaires. Oui. Et que tout le monde est curieux, donc tout de suite, ça dégaine les téléphones, etc., les photos et tout. Et surtout que Hanna est très connue de par Dama. C'est vrai. Donc on est très, très souvent interrompu. On va dire chaque 10 tournage, minutes, quart d'heure, ouais. Mais les gens respectent. Ils comprennent tout de suite qu'on est en train de travailler. Donc ils sont là, ils patientent pour les fans les plus chauvins, on va dire. Mais après, ça se passe très, très bien de ce côté-là, vraiment rien à dire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont aidés, vraiment. Ouais. Alors, je n'ai pas vu le dernier épisode, il s'est passé quoi ? Vous êtes mariés ou pas ? Je n'ai pas vu. Donc, je vous invite à voir le dernier épisode, mais pour le mariage, on a décidé de temporiser un peu parce que... D'accord, donc vous ne vous êtes pas mariés. Donc, ça veut dire qu'il y aura une suite, certainement, avec des rebondissements, j'imagine. Et le Mqnen, toujours présent. Hein. Le Mqnen, c'est un symbole. Le Mqnen, oui, le Mqnen, il ne me quitte pas. Il ne me quitte pas. Madenos, je l'ai appelé Madenos, d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc Mouramarat Fifi, que vous pouvez voir. Hein, les sur les réseaux de Hanna, Rexler ou les miens. Voilà, vous pouvez voir tous les épisodes. Il y en a 8, vous m'avez dit. 8, oui. On devait en avoir 10, mais... Malish. Je préfère, exactement. Ah, c'est une surprise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça va être plus long ? Non, il y a quelque chose qui se prépare. Et pour être plus long, on va aller sur du plus long parce que quand on voit le feedback de tous les commentaires, les gens ont beaucoup aimé, certes, mais beaucoup trouvent que c'est très court. C'est très court. C'est des épisodes d'une minute et qu'on sort une fois par semaine. Ouais. Donc, les gens attendent une semaine pour voir une minute. C'est un peu frustrant, je le comprends et mais c'est après, tout à fait normal. Mais après, j'imagine, pour faire plus long, il faut plus de moyens, non ? Ou non ? Plus de moyens, oui, plus de temps surtout, parce qu'on est un peu... Hanna est prise par certains projets personnels, je suis pris par d'autres projets personnels, comme pour le film où on a dû faire une interruption de Fifi à Omar. D'accord. Parce que là, Blues Dead, c'était plus gros, j'avais un rôle beaucoup plus important, et surtout que c'est mon... Premier rôle, on va dire. Premier vrai rôle au cinéma, j'ai déjà joué dans un long métrage. D'accord, lequel ? De Malek Ben Smail, qui a été tourné cette année aussi, mais c'était beaucoup plus de la figuration intelligente, c'est-à-dire que j'avais pas de vrai rôle. Donc c'est moins lourd que celui-là.
moins lourd que celui-là. Beaucoup moins lourd, bien sûr. Belouizdad, c'était une vraie mission. D'accord. Qui nous tenait à cœur, en plus. Il était à côté de Belouizdad. En plus. Bah oui, c'est vrai. Je ne vais pas vous en dire plus. Je préfère vous laisser regarder le film. Oui, mais je vais attendre, comme tout le monde. On va tous attendre. Mais moi, en tout cas, ça donne vraiment envie d'aller le voir. Et je suis un petit peu frustrée parce que je ne l'ai pas vu. Et c'est normal, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est pas encore sorti. Donc, j'attendrai comme tout le monde, tout simplement. On a exactement la même frustration que non, vous. Non, sauf que vous savez ce qui s'est passé dans le film. Mais nous, on ne sait pas. Donc, oui. C'est pas la même chose. Alors, c'est vrai. Vous êtes frustrée d'un autre côté. Côté comment le public va réagir. Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'il y aura de bonnes critiques, de mauvaises? C'est ça. Oui, et puis qu'est-ce que ça donne? Mais bon, la critique fait avancer. La critique fait avancer, comme elle fait reculer. Régresser, exactement. Et les critiques, tant qu'il y en aura, tant que moi ça m'arrange et ça me va. C'est vrai, oui. Ça veut dire qu'on peut bien avancer. Alors, Mouramarat Fifi, vous n'avez pas pensé à, je ne sais pas, le vendre à une chaîne de télévision, par exemple, ou vous voulez que ça reste sur les réseaux sociaux? Ben écoutez... On a vu l'engouement que ça a créé sur les réseaux sociaux déjà avec sa première saison à elle, où c'est Soumia et Fifi. D'accord. Elle a fait plus de 8 millions de vues sur les plateformes entre Instagram et TikTok, ce qui est conséquent. Donc vous allez rester comme ça. Donc pour l'instant, on est sur les réseaux, mais pourquoi pas diffuser Canal Algérie. Oui, on est ouvert à toute proposition. On verra par la suite. En tout cas, on n'en est pas encore là. En tout cas, merci. Voilà, ça passe vite. J'ai essayé de vous garder le maximum et on arrive à la fin de l'émission. Franchement, merci à vous deux. Je pense qu'on a dit l'essentiel, le plus important. Et vous reviendrez bien sûr avec plaisir juste avant ou pendant ou après la sortie du film. Vous êtes les bienvenus. Je rappelle bien sûr Ghana Nasruddin. Merci beaucoup d'être venu. Surtout que c'est votre premier passage. Et puis bien sûr, Hadid Ouar. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Tous les deux. Voilà donc l'actuelle et future génération du cinéma que vous allez voir certainement dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres films. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous les deux et à très, très bientôt. Et on attend votre film, donc Belouizdad, je le rappelle, de Rachid Belhadj, très, très prochainement, Inch'Allah. Voilà, je rappelle qu'il a été produit par la télévision algérienne et on est contents pour ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission. Bien sûr, merci à Soraya Hamoudi qui était à la réalisation, Hajar au script, Anna. On se retrouve demain à partir de 15h avec d'autres invités. Passez une très très bonne journée et comme d'habitude, Tahia Palestine.